Bonjour VOD, deuxième partie de cette soirée de galère incroyable. Je sais pas si je viendrai à bout du jeu. Je commence à en douter fortement. En tout cas, on affronte le commandant Neil. Si je dis pas de bêtises. Courage, merci. Oui. Non, bah une fois que tu t'es enchaîné, c'est foutu en fait. Et vraiment leur petite merde, quoi. C'est pas ça que je vais faire. Je vais mourir là-bas. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai voulu aller mourir près de la porte. Plus en plus de runes, vu qu'à chaque fois je tue des mobs. J'aime bien récupérer et prendre ce level. Pour ça m'aiderait un peu quoi. C'est quoi, j'ai envie d'aller de ce côté-là. Non mais please quoi. Stop lagging là please. Maintenant, il demandera toujours 3 coups, celui-là. Je comprends pas la raison. J'essaie de voir ma popo, mais je n'y arrive jamais. Là, je progresse plus. Merci, Tilo. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Et à tes viewers. Vous étiez sûrement sur Counter-Strike. Si je dis pas de sottises. Merci. Merci, merci. Bonsoir, Fixpot. Fixpot, c'est ça? Fixpot. 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 Ça ferait un super nom de chaîne payante. Grâce à la Fixpot, accédez à tous vos meilleurs programmes. J'aime beaucoup! J'adore ce pseudo. CSGO, trop accro. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais du coup, bah, ça te fait progresser, alors je comprends. Quand on commence en plus à arriver à faire ce qu'on veut, bah, on a envie de continuer. Hein. J'ai eu peur. Pourquoi? Pourquoi? Tu pensais que j'allais dire un truc aberrant, c'est ça? Bah bravo. Je fais pas que ça. Hein. Non, il est pas mort. Oh, je suis semé à un point stratosphérique. Non, 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 dégage, dégage. Au moins. Non, je suis morte super loin. Un truc salace. Ma chaîne payante, j'ai pas dit le programme. Hein. J'aurais pu dire, grâce à Fixpot, accéder à tous vos meilleurs programmes pour adultes. Mais voilà, moi j'y avais pas pensé. Toi oui. Ah, désolée, je progresse plus sur ce boss. Je commence vraiment à pleurer. Des larmes de sang à l'intérieur de moi.
Je suis morte à l'intérieur. Et je sais que je vais perdre toutes mes runes à force de passer par là et de devoir toujours tuer ces mobs nuls. Il y a un moment où j'ai vraiment failli, hein. Et du coup, bah, ce serait 90 000 runes en moins. Je suis mal barré là. Non mais punaise, j'esquive pourtant. J'esquive vraiment comme il faut, hein. Mais il a trop de portée pour moi. Non, laisse-moi récupérer mes runes. Je te promets, après on fait ce qu'on veut, ce que tu veux. Mais laisse-moi récupérer mes runes. Merci. Ok. 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 Vite. Non, non, j'ai esquivé. C'est pas vrai. Arrête de mentir. J'ai esquivé. C'est pas le moment de prendre la popo. Tu veux bien arrêter de faire 15 fois le même coup en fait, c'est nul. Oh le boss nul. C'est vraiment un loser comme boss. Ah ! J'étais susceptible. J'ai pris ma popo, allez, j'ai appuyé la please. Ouais, ils s'en foutent ça. Hein. Tous mes coups qui font les plus mal normalement, bah là ça lui fait rien. Je voulais mourir près de la porte. Midlife, c'est pas le mieux que j'ai fait. Bonsoir Joe McCrusty. Crusty, pas Crusty, désolé. Réflexe. Bonsoir à toi et salut Triomphelli. M'avait bien gonflé ce boss aussi. Mais oui, il a les deux en plus, les deux mobs en plus. Les deux trash en fait. Mais ils sont... Ils inversent... Enfin, c'est horrible. Merci beaucoup pour le follow, c'est gentil. Merci à toi, Joe. Bienvenue à toi, Joey. Non, pas lui là-haut. Commence par... En plus, évidemment, t'as pas de feu proche. Du coup, se taper tout ça à chaque fois, franchement, ça pète le moral. Ça passe en principe, mais moi, je sais pas. Hein, j'ai l'impression que j'aurais soit pas assez de popo de mana, soit pas assez de popo de vie. J'en use trop de chaque. Parce que, bah, je suis une chips aussi. Hein. Je m'en veux beaucoup, là, d'avoir fait ce que je viens de faire. Je vais faire ça. Mes réflexes. Officielle, c'est l'Ox la meilleure. Oh ça on le savait. Merci, c'est très gentil. Le boss il est à côté. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Autant mourir devant la porte, hein. Je vais arrêter avec cette flèche au début sur le boss, ça lui enlève pas. Beaucoup, enfin un peu, mais je pense pas que ça changera la donne. Et du coup, à chaque fois, je suis obligée de switcher vite. Et ça m'arrange pas. Je vais arrêter. Je vais me focaliser sur mes runes et sur au moins tuer un trash très vite. Oui, il est lag maintenant si tu veux. Plus tard, tu lag pas, hein. Sois pas un nulos le jeu. Et merde. Tant pis.
je le visais pas. J'ai envie de chialer. Je pouvais pas partir, il me bloquait. Je le visais pas, j'ai visé derrière. J'en ai marre de galérer surtout en ce moment. Ce jeu il m'épuise. À force. Faut que j'arrête d'essayer d'aller par là parce que c'est pas par là la suite. Enfin si mais enfin non, pas là. Je progresse pas hein. Non, pas ça. Vise l'autre qui est en face, en fait il est tout proche. Pourquoi tu le vises pas? Tu m'approches bien. Pour que ça fasse deux coups comme avant. Voilà. Moi j'économise un tout petit peu de mana. Bon, je prends la popo maintenant. Je mets le bon fragment. Celui-là, c'est celui qui a le plus de dommages sans mettre plus de temps à être casté. Oh, c'est plus intéressant en fait ça. Excusez-moi, mais là, c'est très énervant quand même. Voilà, lag. Trop bien. Je savais pas ce que je vais faire. J'ai fait rien du tout hein. Ah si c'est bon. Prudence. Merci Averne. Quel timing. Y'a un feu? Oui, y'a un feu. Merci! GG! Ah, le stun m'a bien aidé, hein. Merci beaucoup! Merci, merci! Le stun m'a bien aidé. Si j'avais pas eu ça, c'était foutu. Oh là là! Bon, un coup! Et on va monter de niveau. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais remettre un peu en esprit. Merci Tichosama. Merci, merci, merci à vous tous. C'est très gentil. Bon, sachant que j'ai pas du tout, c'est pas du tout la, enfin c'est la fin, un peu plus ou moins du château. Mais en fait, il y a plein de trucs que j'ai pas exploré encore. C'est juste que bah, au cours de mon exploration, je suis tombée sur cette porte. Alors forcément, j'y suis allée. Et puis j'ai perdu mes runes dedans. Alors forcément, j'étais obligée d'y retourner pour pouvoir les récupérer et du coup bah, battre le boss forcément. Mais en soi, plein de trucs que j'ai pas fait. Genre, bah voilà. Genre un loot juste là. Donc on va refaire un petit tour. Maintenant on a un TP qui s'appelle... Toi de machin. Oh, ça tonne dehors. Non. Oh, t'as full vie toi. Moi j'aime bien le... son pote il regarde, mais qu'est-ce qui t'arrive.
tu vas pas t'y mettre toi aussi, c'est chiant en fait. Ouais, c'est vrai que ça les, enfin, ça les interrompt. On va les interrompre. J'attendais qu'il me saute dessus, mais que nenni. Il n'en fit rien. Alors ici, du coup, je suis pas venue. Et cette zone, elle fait vraiment mal aux yeux à force. Hein. Que de la neige partout. Un petit loot au-dessus, quand même. Pas du tout. Il y a une tour qui est comme ça, là. Gratis. C'est un jeu vidéo en haut d'une tour comme ça, gardée par des gros loups et par un soldat. Et en plus, ici, il y avait... Merde, il y a un coffre normalement. Ah, si, il y a un truc, j'ai l'âme de pierre. Ça va. Je prends. Franchement, d'accord. Même s'il m'en faudrait une imprégnée, je crois que j'en ai pas récupéré. Faudrait que j'aille voir. Oui, j'ai fait la tour. Et après, il y a rien. Là, il y avait un petit truc. Ça, j'avais vu, mais en fait, ça sert à rien. Et là, est-ce qu'il y a un petit truc? Non, il n'y a pas. Je suis pas trop allée là-bas. J'ai pas envie. Non, mais si j'y suis allée, on dit que j'y suis allée. Qui saute sur qui? Je reviens à ma douille, j'ai loupé un épisode. Sur ta... Non, pardon. J'allais faire une blague, mais ça aurait peut-être été de mauvais goût. Non, personne! D'accord? Attention, hein, je vous ai un œil. Mais je suis allée là-bas? Bah, tout à fait, c'est là d'où je viens en fait. Mais j'ai tout fait, hein. On m'a dit oui, t'as pas tout exploré. Nanani, nanana. Oui, non, bah, peut-être. Non, attends! Je suis pas prête. Il y en a un autre, j'ai entendu. J'ai entendu le 11. Ah mais tic. Tu vises le sol là mec. Tu vises la poutre là mec. T'as visé mon épaule mais t'es mort mec. Il m'y passait, personne ne clippera, lâche-toi Lox. Non, j'y dirai pas. J'ai déjà oublié ma vanne. Mais ça, en fait, ok, d'accord, j'explore là, mais en fait, ça me sert à rien. Ici. Merci Darak Live. Merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. T'étais sur Elden aussi. Mais merci, bienvenue à vous. Non, j'ai alt-tab, du coup, j'ai fait clic droit et du coup, je suis triste. Mais on vient de là-bas ou on vient pas de là-bas? Oh mais non. Je suis giga loin. Oh j'étais. Oh, oh comment il m'a eu. Il m'a trop bait. Non mais pas... Non. Non c'est bien. Non. Me tue pas. J'ai pas utilisé mes runes, je me déteste. Non. Oh, il me lâche pas. Attends. Arrête, tu te heal. J'ai pas le droit. Ah, non. Je vais pas perdre mes milliards de runes là. Mais arrête, c'est chiant. Maintenant. Pardon. Pas du tout sur Elden, mais je l'ai fini il y a peu. Ah. Eh ben, j'espère que ça m'arrivera un jour. Attends, je vais lâcher mon petit follow. Quand même. Alors.
J'étais sur Foggy. Et tu fais du TFT. Ok. Est-ce que j'ai joué depuis la nouvelle saison à Foggy? Même pas. Incroyable. Comme on dit gabaté, gambat. Hein? C'est une question, une affirmation? Il n'y a pas d'exclamation, donc on m'engueule, mais pourquoi? Bonjour à toi, KZX. J'en ai bien suivi pour le terminer. Ouais. Oh, je m'en fous, je me mets par ici. Comme on dit gambaté. Ah, courage en japonais, d'accord. Parce que je dis, est-ce que c'est comme ça que je dois prononcer ton pseudo? Est-ce que c'est... Il y a un mot que j'ai mal dit, je comprenais pas. Ok, merci. Merci, KZX, merci. Franchement, au pire, hein, je finirai l'exploration quand j'aurai 1000 levels de plus. On dit ça. En vrai, j'ai assez exploré dans le jeu, là. C'est bon. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci, Derek, pour le follow. Merci beaucoup. Ah, ascenseur. J'ai vu mon bidou. Il y a ni mon bidou. Non, mais je lag pendant ma ronde aussi, là. Bon. Eh ben je vais voir alors, hein. Je vais en haut, hein. J'ai pas... Attends, j'ai pas pris mes levels. Ah, tant pis. En vrai, je pense que tout ira bien. Et une mouche. Autour de moi. Non, c'est un petit papillon. Bonne soirée, merci pour le raid encore. Très bonne soirée à toi. Et bonne nuit. Et d'ailleurs, on se crée... Ah, là, on voit sa clé. C'est bien, ça. Seigneur Michaela, pardonnez-moi. Le soleil n'a pas été englouti. Notre ferveur n'a pas été suffisante. Votre camarade n'a pas recouvré son âme. Votre arme sacrée. J'ai oublié une phrase. On va regarder ce que c'est. Nanana. Jamais je ne pourrai contempler votre arme sacrée. La dernière phrase est plus logique du coup. Je comprends. Alors. Et du coup. Zou? Et à la fin? Un petit loot? Hein? Non? D'accord. Un bon décevant, quoi. Rien. Même pas. Je sais pas. Une petite viande séchée quelque part, là. Juste histoire de dire, bah tiens, voilà un goûter, quoi. Non. Bah d'accord. C'était sympa. Là, y'a quoi? Cet endroit, je ne peux y aller autrement. Je peux y aller autrement. Voilà. Voilà. Ah, ça me sert vraiment à rien? Non, c'est pas Blue Sipo, ça. Ça, c'est l'énigme, c'est pas Blue Sipo. Y'a un truc, voilà. Je peux aller là, du coup. C'est juste pour descendre plus vite. C'est vrai, ça? Sûr que oui, putain. Ah! Ça va, c'est maîtrisé. Bon, bah Des M&M's. Donnez des M&M's à qui? Vous aimez bien les M&M's normaux? Moi quand j'étais petite, enfin, il y avait que ça. Et du coup, bah quand tu sais pas, il y avait des M&M's quelque part, pour une raison ou pour une autre, j'étais trop déçue. Parce que moi je trouve que c'est dégueu, les M&M's normaux. Mais maintenant, ils ont inventé des M&M's mangeables, et franchement, j'aime beaucoup. Surtout ceux qui croustillent. Les crispy. Les méchants qui font du mal. Non, mais ils font du mal parce qu'ils aiment pas les M&M's normaux aussi, ils sont vénères. Je comprends, ça rend dingue. Je vais descendre l'ascenseur. Et puis on va voir, on va quand même faire un petit tour. Oh mais non! Faut que j'utilise mes runes. Et vraiment, je cherche la merde. Vraiment que j'utilise mes runes.
Je vais le faire, je vais le faire. Oui, il y a une échelle là. J'avais... Ah non, c'est pas une échelle. Non, non, mais non. Mais non, mais non. Je vais pas ici en fait. Ah oui, je suis pas allée de l'autre côté, mais oui. Attendez, je vais dehors déjà. Pour utiliser mes runes. Ensuite, on pourra faire d'autres trucs. Montée de niveau. Franchement, je vais encore en intel. Trop bon truc. Il me reste combien? 12 000. Voilà, là, je m'en fous. Si je les perds définitivement, j'en ai rien à péter. 12 000, c'est vraiment pas beaucoup. Est-ce que là, il n'y aurait pas une entrée secrète? Bah, que nenni. Un petit loot caché, là? Non. D'accord. Je suis pas trop allée ici. Ah si, je crois, en fait. On va regarder. Oh! De forge, bon, ça... Ce type de pierre de forge, on s'en fout un peu. Hein. Ox, tu as vu, t'as un debuff de vitalité. Mais j'ai pas vu. Mais carrément être en hardcap d'un niveau intel, j'en sais rien. 53 alors que les autres compétences sont vachement plus basses. Bah ouais, je sais pas, c'est pas comme ça qu'on joue. Moi je monte une compétence. Moi j'ai jamais rien compris aux infos qu'il y a en dessous de la barre. Jamais rien pillé. Mais non, mais j'ai tout exploré en fait. Là aussi, c'est... Enfin, je suis allée. J'ai tout fait, en fait. En fait, c'est ok. Enfin, tout. Et où ça va? Salut, Zadi. Oui, ça va. Ça va, ça va. J'ai fait des trucs que j'arrivais pas à faire. Alors, ça va mieux, maintenant que c'est fait. Même si j'ai toujours une rage intérieure qui ne peut être exprimée. Me regarder vénère quand même. Ah non mais non, j'ai tout vu hein, je vais pas me prendre la tête à continuer hein. Dernier, c'est un debuff que la meuf qui fait des câlins te met. Ah bon? Attends, comment je le vire? C'est quoi? Ah, c'est ça, non? Dégage. Voilà. J'avais oublié, elle est morte il y a tellement longtemps. Merci, merci, je savais pas du tout que j'avais ça. Et j'étais venue ici, ok. On va se barrer, hein. Ah oui, y avait rien. J'ai pas l'impression. Peut-être que je vais croiser un PNJ qui me demandera de faire un truc là-haut. C'est possible. C'est bleu si beau. J'avais pas fait ça. Je suis pas allée là. Il va falloir que j'y aille. Puis il va falloir que je trouve un passage ici, quoi. Là, il y a un chemin, mais bon. Je peux pas y accéder, hein. Eh ben non. Donc, soit ici, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait quand même un peu. Magnifique à 7, il n'y avait pas de feu pas là autour, ça m'étonne. J'ai juste pas trouvé, je pense. Arbre monde mineur, il y avait un boss là-bas. Je sais pas si je l'ai fait, on y va. Oui, mais non, passé un certain niveau, ça ne sert plus à rien d'augmenter. Ah bon?
20%, tu vas plus apprendre. Par exemple, tu veux dire 0 à 10, tu prends 1%. 10 à 15, 15%. 20 à 30, 10%. Genre 30 à 45%. Là, t'as 1%. Ah, ok, je savais pas. Je savais pas du tout. Vu qu'on ne sait pas de combien ça augmente à chaque fois, bah... Moi, je pensais que c'était un peu toujours le même pourcentage, quoi. Ok. Pas trop ce que je pourrais augmenter, moi. Parce que les autres compétences qui m'intéressaient, je les ai augmentées aussi. C'est en bas, c'est le petit chemin. Oh, ce petit chemin. Là-bas ? Ah non, c'est ce petit chemin-là. Attendez, c'était où ? C'est là-bas. Là, ce jeu, j'ai mis un sandbag, j'ai du mal à accrocher. Monde ouvert comme ça. Je commence Dark Souls 3, j'aime. Ah ouais. Ok, ok, ouais, les mondes ouverts, c'est peut-être pas pour toi, effectivement. Bon, on s'en fout, je vais pas le tuer en fait, qu'est-ce que je m'embête. Ah, mais oui, mais, ça... mais non, faut que je sois à l'étage, moi, faut que je sois en haut. Ah. Prendre là. Persos par contre en 30 FPS PS4. Ouais ouais bah tant que c'est fluide en vrai. Même si bah 30 FPS c'est assez limité finalement. Parce que bon. Peut-être je sais même pas combien je suis capé sur Elden Ring, ça doit être 60. Mais j'ai quand même des lags fréquents. 10% un peu au pif. J'étais regardé sur le wiki pour voir du coup les stats. Pour le coup des stats, ça fonctionne vraiment comme ça. Ok. Juste radical, passer un certain level. D'accord, je savais pas du tout. Moi, je me disais, bah, tant que j'augmente, c'est bon, quoi. Non, laisse-moi tranquille. Mais tu me saoules. Tu saoules, là. Tu saoules trop, là. Voilà, je l'avais pas fait. Ouh, j'ai pris des risques. M'a éclaté la gueule. De tout temps vous dédoubler, c'est chiant là. Tous quoi. J'essaye. Je vais me faire taper pendant l'animation, mais normalement, ça me... Ouais, je suis invul, ça va. Ça m'a tué alors que j'étais en train de les enchaîner. La barre du micro juste sur la barre de vie. C'est vrai? Ah oui. Voilà. De toute façon... De toute façon c'est pas intéressant tant que ça a pas baissé un peu. Hein. C'est où du coup? Je sais même plus par où je suis passée. C'est derrière en fait, meuf. En FPS, faut s'y remettre quand on joue PC. Moi, je comprends. Déjeuner un peu pour la vision RL. Je dirais, c'est nocif. Ouais, j'espère au moins que
Au moins que c'est pas, que t'as pas des chutes quoi de FPS. Sous mes lunes, non. Voilà. Non, je vais pas faire l'arc. Mais quelle connasse! Mais oui, mais tu vides tout le temps partout! Pourquoi t'as pas ramené ma raquette? Bah, j'en sais rien, je savais pas qu'il y en avait une, en tout cas, il me ramène pas. Je pensais tellement fort le coup du rebord, mais oui, ça m'arrive à chaque boss qui se passe. Près d'un ravin. Chaque boss. À moins que je one shot. Ça arrivera. Il n'y a pas ma raquette, hein. Ça, c'est le truc d'invocation, ça. Le truc d'invocation, ça, on est d'accord. De toute façon, je l'aurais déjà pris, donc. J'ai sorti mes runes. On fait du coup une sorte de totem. Oui, bah ça c'est le truc des invocations en fait. Ça permet d'activer le fait d'invoquer des potes dans le game. Voilà, voilà, en gros. Non mais j'esquive pas aussi là, qu'est-ce que j'attends moi? Je fais trop d'erreurs, c'est parce que j'ai envie de faire ça à l'arrache, mais... Mais merci pour les infos, petit Infernalou. Je les ai pris, les jeux. Et le jeu Game of Thrones, j'essaierai d'en faire... le faire en live, en tout cas. J'ai un pote qui a le jeu en vrai. Et bon, bah mine de rien, forcément, il habite loin pour se réunir pour en faire. On n'a jamais trop pu, machin. Mais vu qu'il est passé gratuit sur Epic et que c'est le jeu de plateau avec les mêmes règles et tout, on sera peut-être une soirée dessus, j'en sais rien. Je sais pas si ça vaut le coup de le faire en live, en vrai. Mais ça pourrait être marrant. Et au moins, bah voilà, on est peinard chez nous. Pas besoin de trouver une occasion de se réunir. Sachant que moi, quand je rentre en France, bon bah souvent j'ai beaucoup de monde à voir. Donc c'est vrai qu'une soirée, un jeu de société, vu que ça prend pas mal de temps, en général, on n'en fait pas. Même si en vrai, je kifferais. Mais voilà. Non, je l'ai pas eu. Non. Oh, ça le touche pas. Ouais. Faut que je les aligne bien comme il faut. Non, ça fait rien, elle est trop loin l'autre. Essayez de les rapprocher. Oh mais viens toi! Oh et puis merde hein. Merde, j'ai pris ma popo, à chaque fois je prends au pire moment. T'as dit pas de faire un jeu simulateur? Piloter un avion, un bus, un tracteur, faire une vache, etc. Bah j'en fais en fait. J'ai fait... c'était quand? C'était dimanche. J'ai fait House Builder, qui est un jeu de simulation de construction
de maison. Et hier soir, tard j'avoue, enfin tard, comme là en fait, j'ai fait, j'ai joué à Fishing Planet, qui est un jeu de simulation de pêche. Je fais des jeux de simulation assez souvent, mais faut être là, c'est ça le truc. J'en fais. Et j'avais fait beaucoup de road truck à une époque, maintenant ça me gonfle. Et après, bah moi je veux des jeux un minimum accessibles, ce qui n'est pas le cas par exemple de Microsoft Flight Simulator. Jeux de simulation, ouais j'en fais. Déjà ? Ah, je me tire. Enzo fait partie des simulateurs ? Bah, ça dépend. Ça dépend ce que tu considères, vu que tu l'as pas cité, j'imagine que non. Mais j'en fais demain du Planet Zoo. Mais si, normalement, c'est simulation gestion. Planet Zoo. Voilà, la prudence. J'ai acheté 0 jeux sur Epic, j'ai 175 jeux, tous gratuits. J'ai acheté, moi, j'en ai acheté 2 ou 3. Sur Epic, non, je vais pas le voir. Enfin! J'ai acheté Hades sur Epic. GG, merci Gilo. Merci Ment, merci beaucoup. J'ai acheté Hades sur Epic parce que j'avais un bon de réduction. Et j'ai acheté... Je me demande si Plactel Innocence n'était pas que sur Epic, du coup je l'ai acheté sur Epic. Trop bien le jeu, je vous le conseille. Et... Il doit en avoir un troisième. Je dois en avoir un troisième. J'en ai moins vu que je pense que vraiment j'ai envie de tester. Par contre, je prends pas. Tous gratuits aussi, je crois. Bah ouais, c'est moi je les prends de toute façon. Parce qu'en vrai, il y a trop de jeux. Il y a eu plusieurs fois où du coup je voulais jouer à un jeu qui était passé en multi par exemple avec des potes. Et il avait été gratuit sur Epic quelques mois auparavant. Est-ce que vous entendez la sirène ? Je sais pas. Il était passé gratuit sur Epic quelques mois auparavant. Et du coup, j'y avais pas, il est gratuit. Et puis maintenant, il y a le multi et tout ça. Et ils ont fait, bah non, c'était que solo, je l'ai pas pris. Et du coup, je fais, mais si, prenez-le, ça engage rien. Du coup, maintenant, à chaque fois, je les fais chier. Parce qu'il y a plusieurs jeux, typiquement. Bon, maintenant, je pense que c'est mort, mais Subnautica aussi. Je connaissais plusieurs personnes qui voulaient jouer que si c'était pour jouer en multi. Il n'y a pas le multi dans le jeu. Mais il y a des modes qui peuvent permettre éventuellement de jouer en multi, ou un moment c'est envisagé qu'ils le rajoutent. Du coup j'ai demandé aux gens de le prendre quand il était passé gratuit, en disant au cas où un jour il passe en multi, on pourrait y jouer ensemble, ce sera trop cool. Et voilà, moi c'est pour ça que je prends les jeux, faut vraiment que ce soit un jeu d'un style où que je jouerai jamais, pour que je le prenne pas. Parce que bah, les jeux maintenant évoluent, et c'est pas rare qu'ils évoluent dans un sens qui peut plus nous plaire si à la base on n'aime pas le jeu. Et du coup bah, partant de ce principe là, moi je me dis bah, faut faire les prendre. Et puis bon, j'avoue, je stream, et c'est vrai que moi, bon, je joue à 1000 jeux différents, donc forcément, même un petit jeu à la con, de temps en temps, ça peut être sympa pour une soirée découverte, quoi. Il y a ça aussi, j'avoue. Bon, j'ai fait ça. Là, j'avais déjà fait ce coin-là. Faire un petit tour au cas où il y a un loot ou deux, mais je pense que c'est bon. Ça m'est arrivé, ouais, au moins deux fois un jeu qui passe en multi. Ou en tout cas, il y a un multi ou un mode de jeu qui a l'air cool, qui est récent. Qui est passé gratuit sur Epic Games quelques mois auparavant et mes potes l'ont pas pris parce que à la base, le jeu leur plaisait pas. Plactel y a été offert. Ouais, mais moi je l'ai acheté Day One. J'ai trop aimé le jeu, moi. Je l'ai pas fait Day One, c'est pas vrai. Mais je l'ai fait tôt, le mois de sa sortie.
Horreur, plateau, faux rétro. Je prends pas par exemple. Super rarement. Faux rétro. Moi, je prends tout. J'ai plus qu'un jeu d'horreur. Génial, j'ai pas pris. Tout le monde disait, mais what? Prends-le, mais pourquoi? J'ai jamais le lancé. Bah, en vrai, peut-être qu'un jour, si. Qu'un jour, t'arrêteras de faire ta flippette. Je plaisante. Ça va. N'arrivera pas. Ça devait être Layers of Fear, je pense. Il est peut-être passé gratuit à un moment. Ah, une isolation. Ah, il est passé gratuit? Tu connais Ancestors? Ouais. Ah bah si, bah c'est Ancestors que j'avais acheté sur Epic. C'était pas Plaque d'innocence. Je crois pas. Ça devait être Ancestors. Qui était que sur Epic, qui est peut-être toujours que sur Epic. Qui était sympa, mais... sans plus. En fait, malheureusement, l'évolution que promettait Ancestors n'était pas vraiment... vraie. Dans le sens où c'était un petit peu... voilà, de l'âge... de l'air un peu de... Et je sais même pas, c'est pas des Australopithèques, mais je sais plus que ce qu'on était, en tout cas. On était des hommes... des hommes préhistoriques quelque part. Plutôt même des... Enfin là, pour le coup, on tient beaucoup plus... du primate... comme on se l'imagine, dans Ancestors. Et en fait, le but, c'est un petit peu de faire l'évolution, du coup, sur plusieurs générations de ta colonie, machin. Avec l'acquisition de nouvelles compétences, de l'évolution des neurones, machin. Parce que bah, c'est un peu comme ça, en fait. En gros, on acquiert... C'est notre cerveau qui évolue, qui grossit quelque part. La construction d'outils et tout ça. Mais, et c'était pourtant un peu la promesse... il y avait pas, en tout cas à ce moment-là, il y avait aucun moyen de faire du feu. Moi, c'était ça mon truc. C'était forcément, bah, au départ, tu pouvais faire des outils, tu pouvais te faire des barrières, tu pouvais faire des armes. Je dis, bah, il y a bien un moment où il y a le feu qui va arriver. Il y en avait pas. BioShock. Ah, mais BioShock, c'est pas un jeu d'horreur. Faut arrêter de dire ça. Hein. Toi, ça te fait flipper. Ça te fait flipper, ok. C'est pas un jeu d'horreur. Il y a des jeux qui font flipper qui sont pas d'horreur. Bah, celui-là, il a un contexte oppressant, mais c'est pas un jeu d'horreur, quoi. Une direction, j'ai regardé stream. Parce que j'aime cette ambiance. Ça a l'air d'être un bon jeu. Ouais, je l'avais fait sur console il y a longtemps. Il était vraiment cool. Est-ce que j'avais fouillé autour? Je vais fouiller. Hein. Pour moi, Alien Isolation, BioShock, c'est à peu près autant un jeu d'horreur qu'Elden, quoi. C'est-à-dire avec des passages qui peuvent être flippants, dans des endroits sombres, puis c'est tout. Puis des monstres forcément dégueux. Et encore. Dans BioShock, c'est des humains, quoi. Ouh, toi, je t'ai pas fait, toi. Je vais voir s'il y a un truc à looter dessus. Après, on essaiera de savoir comment débloquer la suite. Je sais pas du tout. Ça me suffit largement comme description. Oppressant, ça te suffit. Mais encore une fois, vraiment, hein, dans ce cas-là, je sais pas comment t'as pu jouer Elden alors. Hein. Si ça te suffit. Angoissant que de l'horreur, ouais, c'est ça. Mais bah, finalement, comme dans plein de jeux où t'auras ça, quoi. Oh, là, il y a du loot là. Non, il n'y en a pas. Bon, je me tiens. Ah!
Je sais pas où sont mes runes là, je suis un peu dans la merde. J'ai voulu un survol, le mien a oublié le mode emploi. Ah, rapport avec Elden, c'est pas du tout le même malaise. Bah si, carrément. Chaque fois que t'es dans une grotte, c'est... Bah c'est exactement les mêmes... C'est exactement le même principe. Sachant que bah BioShock, c'est pas tout le temps, c'est surtout d'ailleurs au début. Mais clairement, hein. Pour avoir joué aux deux, quand t'es dans une grotte dans Elden Ring, tu vas entendre des bruitages, tu vas voir des trucs au loin, tu vas voir... voilà. Ça va être tout pareil. Et tu vas avoir des trucs bah, trop forts pour toi, parfois. Bon, sauf que... Elden, tu redoutes plus la mort, quand même, que dans BioShock. Ça va être chaud à récupérer. Absolument tous mes triggers dans BioShock, quasi aucun dans Elden Ring. Bah, c'est bizarre. En fait, c'est bizarre. Ou alors t'es thalassophobe, peut-être. Même si, bon, même ça, dans BioShock, à part voir un peu que t'es dans l'eau par la fenêtre une fois de temps en temps. Comment tu sais où est la suite? Là, je sais pas. Enfin, là, je sais où je dois aller. Enfin, où je dois aller. Quelle zone j'ai pas encore explorée, mais je sais pas comment y aller encore. J'ai rien compris à l'avancée du jeu. Je me retrouve à Siofra. Il me semble, par un téléporteur hors map. En plus, ça me mit trop fort. Je suis tellement perdu au bout de 15-20 heures. Ouais, bah après, t'as le. T'as les PNJ qui t'aident. Et puis surtout, bah, les zones, tu vois. Mais oui, le jeu, il aime bien nous téléporter dans des endroits un peu paumés. En mode, bon, bon courage, mais tu peux revenir très facilement. Non mais c'est sérieux, j'ai même pas pris... En les runes et je te tue. Voilà. Dès que ce soit sous l'eau. Sans lumière, je respire plus. Mais sans lumière, tu l'as aussi souvent que dans Elden. Donc bah dans des endroits, quoi. Il y a plein d'enfants ou des poupées ou je ne sais quoi. Ouais, bah, qui ressemble à des mobs absolument... Enfin, dans Elden Ring, t'as 1000 mobs qui peuvent y ressembler, quoi. Des genres de voix off, des PNJ qui te parlent. Non, c'est pas une voix off, c'est en fait t'as quelqu'un qui t'aide. Contrairement à Elden Ring. Ah, dans les haut-parleurs. Bah les haut-parleurs, ouais, c'est... Oui. C'est les haut-parleurs, du coup, qui apparaissent. Effectivement. Il n'y a pas de haut-parleurs dans Elden Ring, j'avoue. Ah, je peux parler à Mélina. Ok, maintenant je sais, faut pas un jeu avec des haut-parleurs pour ça. Mais t'as beaucoup de gens qui t'aident. Enfin, t'as beaucoup, non, qu'est-ce que je te dis? T'as des voix qui t'aident aussi dans... T'as une radio qui te parle et qui t'aide, qui te guide, quoi. Ça m'intéresse pas. Non, attends. C'est vous que je s'en fasse part? Oh, j'ai envie de dire ça ne m'intéresse pas. Juste pour voir ce que ça fait. J'ai d'avis, dites-le moi. Ah, dommage, ça aurait été trop drôle. Les mots de Marika. Oyez, malheureux guerrier. Oyez, Seigneur, votre vrai. Nous saluons vos exploits. Votre quête nous a délivrés à travers chaque Ordalie. Jusqu'au lieu de je sais pas quoi, terrasser les géants et consigner la flamme au sommet de la montagne. Une nouvelle ère commence. Quel rayonne de vie. Brandissez le cercle d'Elden pour que débute l'ère de l'arbre monde. Perso, j'ai rien compris au jeu que des boss qui me démontent. Bah après, c'est un Souls, les amis. Donc effectivement, les Souls nous aident pas beaucoup. Mais c'est pour ça que moi et mes potes et les gens avec qui on fait, on s'entraide, tu vois. Mais au début, je trouve que ça va, c'est assez clair. Parce que t'as un énorme château qui est pas loin. T'as des flèches qui te mènent plus ou moins là-bas. Et c'est là qu'il y a le premier boss majeur. Après, bah, je comprends que ce soit un peu plus nébuleux, mais c'est vrai que moi, aimant explorer, bah, j'ai simplement exploré. Du coup, bah, la suite a continué, quoi. Les choix forcés, mais non forcés. Je regardais un peu quand t'as pas streamé tous les jeux.
Bon, c'est juste pas possible. Pas tous les jeux, mais celui-là a la recette de tout ce que je peux pas. Ouais. Bon, il t'en faut vraiment pas beaucoup, j'avoue. Je pensais pas à ce point-là. Par contre, The Carry, c'est juste naze. Pas du tout horreur. Bah pourtant... Pourtant, c'est censé être un jeu d'horreur. Contrairement à Bioshock. Mais tu l'as déjà dit. Et du coup, merci Mélina, mais qu'est-ce que j'en fais? Bon, car je fallais aller pour voyager plus vite. Clairement. Alarme de vie, hein! Mais j'en ai pas. J'en ai toujours pas assez, de toute façon. Mais oui, The Carry, vous avez été plusieurs. Enfin, non, mais non, c'est toi, Sam, seulement. Tu m'avais dit que c'était pourri, apparemment. Alors que j'étais intéressée! Salut Mucus de Veracras! J'étais plus sûre de ton pseudo. Mauvaise série Z, The Carry. Bah après, les slashers, c'était... Voilà, c'est... Enfin... Ça se veut être une parodie de slasher, pas un truc... Enfin, comme c'était présenté, le trailer était pas en mode flippant. Le trailer était en mode... c'est un slasher un peu pourri, quoi. Avec des ados qui jouent mal. En plus, techniquement, ça la ramasse. Alors moi, c'est ça qui m'avait fait peur, c'est techniquement, les bouches, on dirait qu'elles sont en élastique. C'est des élastiques, ça. C'est très bizarre. Leur bouche, ça fait un visage ultra chelou. Et bienvenue à toi, oui, Splinter. Bon. Par contre, là, effectivement, l'arbre monde, bah j'ai un... Attendez, j'ai les trucs, mais je ne sais pas où les foutre, en fait. J'ai ça. Je sais où je vais aller d'abord. Voilà, j'ai mes dents secrètes de l'arbre monde. Il faut peut-être que j'y aille, mais d'abord, je vais faire un petit truc. Je vais aller là. Je vais voir si je peux traverser le dernier bifroid qui me restait. Je pensais que le très mauvais diptyque, c'était le doublage qui était pourri. J'ai vu quelqu'un repasser sur la VO sur Steam. Tellement il n'en pouvait plus. Mais c'est tout aussi nul. Oui, oui, non, mais moi, je parle même pas de... Je parle même pas du doublage. Je parle vraiment de la manière dont ça déforme le visage quand ça bouge la bouche. C'est bizarre. Vraiment, quand tu compares à... par exemple, à Until Dawn, qui était un petit peu celui dont ça aspirait, même complètement à 1000%, et ben... J'ai pas ce qu'il faut. Ah non, j'ai déjà fait. Et ben vraiment techniquement c'est pas pareil. Voilà, je vais réussir à finir ma phrase. Tu joues à ce jeu sous 3G? Je trouve cool. Ah, sous 3 grammes. J'aime toujours pas, bordel, j'aime pas vérifier avant de venir, mais bon. C'est plus rapide que de le chercher dans quel endroit c'est rangé dans mon inventaire. Bon, bah je peux toujours pas aller au bifroid. Tant pis, on ira à Pau et puis tant pis. On va aller au trône. Temps pour moi de partir au lit. Laisse-moi s'occuper du chat. Pas de soucis! Bisous Fernalou, des bonnes nuits à toi. Voilà, des bonnes nuits. Pourquoi pas. Bon courage pour demain, tu sais tout ça. Comment louer une animation faciale? Même la gestuelle des persos est très mauvaise. C'est-à-dire qu'ils ont plaqué des visages sur des ronds et démerdez-vous. Mais là, c'est bizarre. Quand ils marchent, ils sont tout caoutchouc. Ah, d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? À demain, petit Fernalou! Qu'est-ce qu'il me reste à faire, bordel? La vieille garde, ça c'est quoi? Chabrerie. Tombe des profondeurs. Peut-être que j'aille là d'abord. J'allais là. T'as pris la rune de machin que t'as tué là? La rune de machin?
l'arbre-monde. Ah, j'ai looté ce qu'il donne à chaque fois, c'est les trucs de... Enfin, le petit arbre, quoi. Les trucs de popo. Activé dans une tour celle-là. Je suis obligée de les prendre parce qu'en vrai moi j'en ai pris qu'une depuis le début du jeu. Hein. Ah mais j'étais déjà allée dedans. Mais non mais je me trompe. Désolée. Allez, allez. Je vais pas faire ça. Alors, il est où? Voilà, le truc bleu, il est là. On va aller là-bas. Je vais demander, sinon. Voir avec Royal, ce qu'il faut que je fasse maintenant. Avec Envy, mais il doit plus être là. Pas obligé, je crois. Perso, je me sers que de la rune de Godric. Ouais, voilà. Du coup, je me dis, bah franchement, je suis pas obligé. On s'en fout, quoi. Ah, le Corbac. J'étais pas allée ici, j'étais pas allée. J'avais fini le live avant. Et du coup, bah, je suis allée direct à Ricard la dernière fois. Donc, j'ai pas fini d'explorer ici. Il y a full mob que je déteste. Bon, les géants, je m'en fous, mais les piafs, par contre. No thanks. Oh, oh la main énorme! Un peu coincé. Je vois rien du tout. J'ai 94 000 runes, mais comment ça se fait que j'en ai autant? Bon. Bon, bon, bon. Mais je vois par contre tout le monde jouer à Zhokari. Hein. Ah, dans mon... J'allais dire dans mon inventaire. Dans ma liste, il y en a encore. J'ai eu peur. Où aller la main? Elle est là. Je vais déjà aller là-haut, hein. Dans l'église. Comment dire, jouer, il y a une hype dessus. Mais c'est parce qu'on pense à une Tilda, hein, il était tellement cool. Bon, je comprends, je comprends. J'aurais bien aimé que ce soit comme elle Tilda, moi aussi. Trop mal. Ah, la rivière sanglante, la fameuse. Masque de Okina. Le voilà. En fait, la plupart, tu les vois en stream sur MDR. Mais oui, mais j'ai l'impression que c'est le but du stream, c'est le but du jeu aussi. Hein. C'est que vraiment, je le voyais pas comme un jeu full serious. Hein, pas du tout, même. Mais le fait que techniquement, il soit frais, ça me plaît pas.
Parce que bah, faire volontairement un mauvais truc technique, c'est... Faut vraiment bien le justifier, quoi. Juste pour dire « Ah, trop marrant !» ça me... Non. Comme Become Human, ce jeu. J'ai pu le voir en photo. Tu l'as trop vu? Moi, je l'ai fait tard, hein. Il était en exclu console pendant un long moment. Excusez-moi, je sais pas ce que je fais. Je suis fatiguée. Moi, je vais mettre un peu de dex pour mon épée. Ce sera bien, je pense. Alors. Voilà, ça c'est bien. Bonsoir, Lox la rouge et le chat. Lox, je vais te faire. En moins. Bon, d'accord, si je suis là, ça veut pas. Merci. Bien vouloir venir. Je vais aller là-bas ou pas? J'en ai aucune idée. De toute façon, faut que j'aille là où il y a le point bleu. Mais je sais pas comment. Ça y est, il y a de l'aura chez moi. Non, va-t'en toi. Ouais, tu fais un bruit beaucoup trop énorme pour la taille de la main. Il est vivant. Donc je monte. Comment je peux monter? On va explorer. Hein. L'avantage c'est qu'ils se battent entre eux. Donc je passe quand même un peu inaperçu. Ça dépend mais c'est plus facile de tester. Oh là où il y a un gros truc. J'ai vu un gros scarabée. Ah mais tout simplement je peux monter là. Non? Je suis pas sûre en fait. J'esquivais juste la main. Non, j'ai pas l'impression que je puisse monter par là. Peut-être par ici par contre. Mais ouais, ça semble bien là. Ah là c'est better. J'ai plusieurs fins. Et tous voulaient faire les fins différentes. Moi j'en ai fait plusieurs, ouais. Enfin, parce que j'en ai une affreuse aussi. J'en ai eu une bonne après et j'étais contente. Je peux pas monter par là, hein. D'accord. Hein. Ah mince, comment je vais à la suite, moi? Il y a des petites chaînes ici, mais il faut que je puisse les atteindre déjà. Je vais me refoutre là, on va voir. Les streams m'ont pas vu pendant un moment tellement ils jouaient à ça. Ah mais carrément, tu détestes vraiment le jeu, quoi. Bah après, c'est que c'est une histoire aussi qui se suit, donc enfin, c'est une histoire assez prenante. Et je veux dire, qui se suit dans le sens... c'est un peu comme regarder une série, quoi. Si tu fais une pause pendant un moment, tu sauras plus. Donc c'est vrai que je comprends que ça, tu enchaînes le jeu, parce que sinon t'oublies tout, quoi. Fin différente, c'est du pipo. Ce qui change, c'est les combinaisons de qui meurt et qui vit. Ouais, bah c'est des fins différentes, du coup.
bah voilà. Ok, et maintenant je peux aller par là. Mais je vois pas les chaînes que je qu'il est censé y avoir sur la carte. Hein, c'est là-bas. Ah oui, c'est là-bas. Ok. Est-ce que je peux descendre sans mourir? Moi, je préférerais. Ah, je sais pas par où je suis. Enfin, je sais que je suis montée grâce à la tornade, mais je sais pas où aller. Parce que si j'atterris dedans, ben je risque pas de mourir. Après, bon, en soi, Elden, hein, mine de rien, niveau hype. Niveau jeu auquel tout le monde a joué, c'est un peu le cas, quoi. Je pense bien plus que. Que D3. Ah. Ah. Sauf que moi, je veux aller là, moi. Bon bah je tente et puis on va voir. On va voir. Voilà, ça devrait le faire. Oui, ça va. Ah, j'ai perdu un peu de vie quand même. Non, tu te téléportes au site. Bah non, j'y étais en fait. Ah oui, non mais oui. Pardon. Mais c'est qu'en fait je voulais pas... je voulais rester en hauteur. Parce que bah j'avais peur de pas pouvoir remonter facilement. Voilà. Parce que je trouvais pas tout à l'heure. Je me prenais mal. Parce qu'en fait, là, j'ai vu qu'il y avait un chemin qui n'était pas si compliqué. C'est juste moi qui ai un pigé à comment on passe. Voilà. J'aimerais bien un site de grâce ici aussi. Ce serait sympa. Ce serait vraiment super giga chouette. Vous pouvez avoir un petit feu là. Un truc comme ça. Il peut en avoir un. Genre maintenant. Oh, tant pis. Ah oui, direct, géant de feu. Ça tombe bien, moi je. Ça tombe bien. J'arrive même pas à le viser tellement il est loin. C'est un géant. Ouais, il fait une avalanche, le géant de feu, tu te foutrais pas de ma gueule, le jeu? Hey, tout foufou! Bon. Heureusement qu'il est lent. Laisse-moi ! Moi, je vois rien là. C'est du feu ça. Là, effectivement, ça me parle plus le côté géant de feu. Ça a l'air cool ça. Je savais pas jusqu'à quel point ça me ferait mal. Bah c'est easy. Ouais, bah oui, tout à fait. Salut la conne. Je sais que vous êtes tous très forts. Ah là là. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu un comme ça, tiens.
Ouais, il l'a fait en une fois. Il est tout battu. Je suis trop le meilleur. Bon, j'ai pas de feu à proximité, c'est vraiment celui-là le plus proche, parce que ça va me saouler de faire ça à chaque fois. Ah oui, non mais d'accord, c'est toute une zone de boss tout ça. Ah d'accord. Une grâce plus proche du boss. Bah ouais, j'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Bah si, là j'en vois une en fait. Mais non, mais c'est en bas en fait, ça m'arrange pas que ce soit en bas. Après, le temps que je remonte, en fait, ce sera... Ouais, ce sera kiff-kiff, je pense. Ce sera kiff-kiff. J'aurais voulu qu'elle soit en haut. La grâce. Il y a cure-dents comme arme et mes énormes... couilles. Tout à fait. C'est exactement ça. Non, effectivement, c'est plus court, hein. On verra. J'ai voulu... je vais mettre une petite... Je vais prendre mon cheval. Ah oui, quand même. Popo, mais je vais attendre. Oui, j'étais à cheval aussi. Il panique un peu vite. Ah merde. Je pensais que c'était juste le pied. Oh, j'ai pas trop le pattern encore. Hein. Effectivement. Bon, je peux récupérer mes runes, mais j'en avais 8000, on s'en fout. Hein. Il y a vraiment des ongles de pied dégueulasses quand même. Il marche pieds nus, mec. Ça juge, hein, ça juge. Marche pieds nus toute ta vie, hein. Tu verras. Ah ouais, y'en a là, ok. Ok. Il y a une entrée ici, je vois. On prend zéro soin de lui. C'est un Yeti. Il prenait soin de lui, il serait un peu épilé. Il faut s'approcher. Et il faut surtout lâcher le cheval quand il va taper. Sinon, je pourrais pas esquiver et ce sera un peu ballot. Ouais. Ça marche si je fais ça? Bah non, évidemment, parce qu'il esquive pile à ce moment-là. Je te déteste, mec. Ah, super. Y'a pas de coupon, regarde ça, taille, j'avoue. À quel point faut que j'esquive cette attaque. Non, je vais pas faire ça, je vais me tromper de sort. Voilà, c'est ça que je vais faire. Bon. Oh non, je pensais que c'était... Je pouvais faire un crit. Pas du tout. Oh non, ça, il commence déjà avec cette attaque alors qu'il a que un pouillème en moins. Oh non, je suis trop loin.
Il y a le vide là, non? Non. Pas tout de suite. Non, je veux regarder plus bas. Voilà. Une mana. Non, c'est pas le moment. Voilà. Ah merde, j'ai esquivé en avant. J'ai esquivé trop tôt. Ils veulent combien? 121, je crois. Non. Monsieur à la table, sans comprendre nous. Et les poils. Et c'est toi, là, qui commence à parler de soins. Moi, j'ai pas jugé, hein. C'est toi qui juge direct. Je sais pas pourquoi j'ai la musique des nains. De l'Hobbit. Je sais pas. Mais elle est très cool cette musique. Très belle. Pas trop ce que je peux faire. Bonjour Draconic Sai. Vraiment des Français qui jouent à cette heure-ci? Oui. Les francophones de l'univers ne dorment pas tous au même moment. En effet. Bienvenue à toi en tout cas. Ouais, j'ai... Et vraiment, c'était giga pourri. J'ai mis un coup tout ripou pour perdre la vie. Non. Loin. Non, mais j'étais en train de faire mon truc de merde là. Je suis en train de mal jouer là. Laisse-moi mal jouer le jeu, s'il te plaît. C'est là où je suis le plus doué. Heureusement que j'avais mon shield. Bon, j'arrive pas à le stun, hein. Allez, 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 allez. Ah. Super. Je fais vraiment pas grand chose, hein. Punaise, je vais galérer, hein. Je sais pas si j'aurai assez de popo de mana pour ça. Ah non, il m'a boulé avec sa main, pitié quoi. Hein? Il est Camille de live? Je vais parce que ça ne va pas fort ces trois derniers jours. Ah, insomnie alors. Bah bon courage, je connais, tu sais ce que c'est. J'espère que t'arriveras à t'endormir, à te rendormir malgré tout. Ah oui, c'est plus simple. Il y a
Et galère à la phase 2 sans déconner. Merci pour tes conseils en tout cas. Censé être le cercle d'Elden. Eh ben fantastique. Voilà, prends la popo quand je te le demande, please, le jeu, c'est chiant. Au moins, ma magie, elle m'est beaucoup plus utile à la phase 2. Faut juste que je gère un peu les esquives. Ce qui va être chiant. J'ai combien de popos moi? 5 popos de magie aussi. Il va falloir que je... j'équilibre un petit peu ça. On verra. On verra comment ça se passe ici. Mais bon, je prends quand même beaucoup de dégâts donc j'ose pas trop... Eh bien, t'as bien pris de l'élan. Je parie qu'il faut que je le touche ailleurs, mais j'ai pas le temps. Il a perdu un truc. Ah, il a perdu ses cheveux et son... Ah oui, d'accord, j'avais jamais fait gaffe. Ah, oh, je suis trop loin. Beaucoup trop loin, même. Sans l'avalanche, non? Ça va. J'ai tellement de temps à l'attendre. Non. Ça va. C'est plus galère parce que je joue sans. Je sais, comme beaucoup beaucoup de gens. Parce que ça fait beaucoup de dégâts. Moi je joue magie. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Je vais pas rester très longtemps. Je voulais juste dire bonjour et du coup je te souhaite une agréable nuit. Bah, merci beaucoup toi aussi Draconic Tai. Bon courage hein. J'espère que tu dormiras. C'est pour ça qu'en fonction du build, ça sert à rien de dire que telle chose est easy et telle chose ne l'est pas quand on n'a pas le même build. Dommage, je l'avais... je suis dégoûtée. M'en fous, c'était juste pour survivre. Voilà. Oh merde, il m'a OS. Je suis un peu triste, il m'a OS.
C'est peut-être pas full, mais Popo elle donne peut-être pas assez. Et non, mais Popo, elle me met pas full. Et ça, c'est chiant. Bon, là, c'est la bonne. Là, j'y crois à mort. On aura vu du boss ce soir, en tout cas. C'était moins explo, aujourd'hui. Et quelle heure? Bientôt 2 heures. J'aimerais bien enchaîner aussi bien que ce que j'ai fait, mais bon. J'ai eu de la chance aussi sur ce qu'il m'a envoyé, il m'a pas fait d'avalanche. Il m'a laissé l'approcher assez facilement. Je l'ai stun. Voilà, là il m'a fait une avalanche alors que je suis en cheval. Déjà moins cool. Oh là, c'est pas la bonne ça. Ah si, c'est bon. J'aurais dû aller en cheval. Non, j'ai ce qu'il veut. Non, je sais pas ce qu'il veut. Tu connais le sort Côté d'Azur? Côté d'Azur? Un sort qui s'appelle Côte d'Azur? Probablement pas. Je connais pas le nom de mes sorts, moi. Mais j'ai ça comme ça, voilà. Si ça t'aide. Y'a un truc avec Azur peut-être dedans? Ouais, rien avec Azur. Ah si, Comète d'Azur. Ouais, il demande 60 d'intelligence. J'en ai 50. Un Kamehameha. Ouais, je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore. Comète d'Azur. Je me dis bien que j'avais vu quelque part. J'étais plus sûre si c'était un sort ou une incantation. Qui demandait du coup de la... qui demanderait du coup de la foi. Et moi j'ai 0 en foi. Je suis full intel. C'est vrai que ce serait intéressant que je sois 60 pour la tester ce truc. J'en ai souvent entendu parler. Je savais même pas ce qui se passait. Allez. Voilà, sinon ça me saoule. Ça me stresse un peu sinon. J'ai commencé à caster, j'aurais pas dû. Je savais pas qu'il ferait ça. Je suis très loin de lui aussi. Parce que t'es lourd à me fais là.
Voilà. Attends, la deuxième phase, là, ça faisait... c'était trop long. Merci beaucoup! Non, non! Ça n'a pas marché, je suis dégueu. Merci beaucoup pour le raid, je suis désolée. Là tout de suite, je suis un petit peu occupée. Mais vraiment grand merci. Très bien. C'est super giga génial. Enchaînement de merde. C'est chaud. Ça lui fait rien, hein. Je suis pas... Ouais, je suis trop loin. Putain, allez! Je suis morte. J'avais plus de mana. J'avais plus de vie. Merci Elfe de Lune! Pour ton raid, c'est très gentil, bienvenue à toi! Merci beaucoup! Et salut Abaddon le Jarl. Le Jarl. Abaddon le Jarl. Merci! Merci beaucoup, t'étais sur quoi le feu de lune? Vous voyez par Chaotic Prime? Oh, tu. Attends, ah mais oui! Et bonne nuit, bisous! Merci beaucoup! Merci beaucoup, c'est très mignon! Attends, je vais lâcher mon petit follow quand même. Ça demande des choses. Alors, elfe de lune. Tac. Et tac. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci beaucoup. Il joue à DBD. D'après ce que je vois. Hop là. Ah, je vois plus rien. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci, Zephy. Merci beaucoup, bienvenue. Merci pour vos follows, c'est très gentil. Sur Elden aussi non, sur Elden aussi. Sur Dead by Daylight, Dead by Daylight, pas sur Elden du tout, je viens de le dire. Il m'est sorti par la bite. Morsu, elfe de lune, c'est trop gentil. Beaucoup pour ton follow, bah c'est normal. Moi j'aime bien pouvoir... pouvoir rendre un raid quand on me raid. Et si les horaires ne s'y prêtent pas, au moins voir la personne, quoi. Mais si je follow pas, je vais oublier le pseudo. Donc c'est même... de la simple logique. Enfin, surtout comment il s'écrit. J'ai déjà essayé. Hein. Non, sur Twitch, on ne trouve pas les pseudos comme ça. Ah trop loin. J'ai plus d'indu. Salut Tirard! Deris, si j'ai bien lu. Non, je. Ça pue! Ça pue Duc, je savais. Je savais que ça puait Duc, mais j'y. Non, mais là je fais Nawak là. Là je perds trop de vie pendant cette phase et j'ai besoin de ma vie après. Parce qu'il m'enchaîne avec son feu. Allez! C'est pas grave, on a l'habitude de jouer dans les larmes et les lags. Là, c'est pire, ouais, pire truc. J'accepte toute prononciation. C'est gentil, on voit quelqu'un qui a eu l'habitude. Bye, au revoir.
Ace One Piece Luffy. Quelqu'un qui est donc fan de Naruto. Est-ce qu'elle est drôle là-bas? Alors. Bon. Quelle technique faire à part mieux esquiver et faire plus mal? Non, c'est un bon résumé. Faudrait que j'esquive mieux et que je fasse plus mal. Et que je meurs moins. Et que je sois plus forte. C'est un programme. Me saoule ce truc. Non, mais je suis à cheval alors je peux pas. J'ai voulu l'enlever. Il a pas voulu ce connard. Pas ça. Merci beaucoup, Tira. Bienvenue toi. Oh, c'est plus tendu ça, insupportable. Va s'envoler, eh oui, j'en doutais. Merci, bienvenue à vous, c'est très gentil. Enfin, je sais pas si vous êtes... voilà, si vous aimez bien Elden Ring ou pas. Non, pas le feu. De partir en région. Non. Je veux absolument qu'il fasse sa phase 2. Allez, fais ta phase 2, please. Mais c'est bon. Toujours tenté d'aller chercher ça en question. Ah bah, il va me falloir pas mal de level là. Hein. Non, j'esquive là, ça fait chier. J'esquive pourtant, putain. Voilà. Bon, c'est vrai que tu l'avais, vu que t'as fait la zone. Bah je l'ai, oui. Après, je sais pas de quelle histoire en question tu me parles, si tu me parles du truc azur. Parce que bon, tu reprends une phrase que tu n'as jamais commencé, on dirait, si? Ouais, je sais pas. Mais Comet Azur. Non mais je l'ai, Comet Azur, Sam. Je l'ai. Je l'ai. J'ai pas lu la fin de la phrase, désolé. La prochaine, c'est la bonne. J'y crois à mort. Dans le sens où tu parlais au mec tout à l'heure. Oui. Mais voilà, sur le coup, vu que ça fait un moment, je pensais que tu parlais d'autre chose que j'avais pas suivi. Si, je l'ai le sort. Et putain, et voilà. Faut que j'arrête, faut que je descende du cheval absolument. Oh, je pense que je vais me laisser crever en fait, je pense, non? Voilà. Là, j'ai mal commencé. Faire chaud. Oui. Mais après, j'ai un build qui me permet d'être quand même efficace à distance. Mais bon, bah lui, de toute façon, il a une portée tellement immense que la distance ne sert pas à grand chose. Vaut mieux être au cac quand même. Enfin, vaut mieux. En tout cas, pour la première phase, ça c'est clair. Mais du coup, mon build, ok, me permet ça, mais... Comparé à d'autres builds, je fais pas très mal par rapport à mon niveau. Et pourtant, et je suis une chips. Donc voilà. C'est un peu...
C'est un choix un peu de noob, parce que je savais qu'Astrologue c'était facile à maîtriser. Donc c'est mon build, hein. Build. C'était facile à maîtriser pour les noobs de Dark Souls comme moi. Des Souls, tout court. Mais... Appuie sur B, ta mère! Donc voilà, donc je galère. J'ai galéré sur trop de boss aujourd'hui. Je démarre. D'habitude dans Elden Ring il y a un peu d'explo, il y a des trucs comme ça, ce qui rend le jeu beaucoup plus sympa pour moi qu'un Souls. Mais là, aujourd'hui... J'aurais pas connu ça. Ah là là. Toi tu jouais solo à DBD Elfe de Lune? Pas du tout. J'ai pensé à redistribuer tes points de stats pour changer de gameplay. Mais j'aime bien ce gameplay moi. Le gameplay me plaît, j'aimerais juste faire plus mal, mais en vrai le gameplay me plaît. Et c'est pas maintenant que je compte changer. Si je veux changer, je recommencerai du début. Vu que là, j'arrive quand même vers la fin du jeu. Et je ferai un autre build complètement différent. Mais là, non, vraiment, j'ai pas du tout envie de changer. Je fais tout pour éviter. Ah, c'est Elden Ring, c'est dur, hein. Et voilà, moi j'ai pas fait le build que tout le monde fait avec du sang, du saignement partout. Qui est de loin le plus efficace. En tout cas en early. Et je pensais pas qu'il ferait ça. Je pensais qu'il allait me taper vu que je voyais son bouclier en gros. Non. Ouais, ça sert à rien, je suis trop loin. Oh, trop de dégâts là. Putain, j'en ai marre. J'en ai marre de cramer un max. Tout le temps. On va se laisser mourir, je crois. Hein. J'ai plus 4 popos de vie. Ça vaut le coup d'essayer de continuer. Encore ou pas? Ou je vais pleurer dans mon lit dans le noir? C'est moins difficile de pleurer. Petit qui presse entre ses pieds ou derrière, essaie de pas être devant. Appelle Torrent pour fuir. Bah le truc c'est que quand j'appelle Torrent je peux pas esquiver ce qu'il est en train de me mettre sur la tronche, du coup je préfère pas l'appeler. Parce qu'évidemment à chaque fois que j'essaie de me débarrasser de Torrent, faut que j'appuie sur la touche à peu près 6 fois pour que ça fonctionne. Parce que je sais pas pourquoi les inputs du jeu
Quand je suis à cheval, faut les répéter 15 fois. Et là, j'ai appuyé, j'en peux plus. Voilà, le truc. Il peut rien faire avec ses flammes. Ah bah... Ses flammes, elles sont sous ses pieds aussi, hein, tout autant. Hein. Mais par contre, effectivement, il a l'air de prendre plus cher. Quand tu... Ah, là, le truc, c'est qu'il y a des flammes, quoi. Il y a quand même les flammes. C'est juste qu'il peut pas faire son lance-flamme, quoi. Mais ça crame quand même en max, hein. C'est longtemps à monter, descendre de torrent, monter, descendre de torrent. Et en chaque fois, évidemment. Ah, le truc, c'est que les avalanches, elles font tellement mal. Oh putain, je me déteste, mais ça sert à rien en fait. Là, depuis tout à l'heure, je les esquive jamais, les avalanches. J'ai envie de chialer. Non mais tourne la caméra, elle veut pas se tourner la caméra. Ah, le jeu il m'aime pas. Place la caméra au pire endroit du monde quoi. Imagine t'avais du saignement proc super vite. Ah oui, non mais je sais bien hein, c'est très bien qu'à chaque fois que quelqu'un débarque en disant oh, c'est trop facile, c'est quelqu'un qui a du saignement. Hein. Et du coup qui a pas besoin d'avoir le moindre talent quoi. Je sais bien. Mais bon, moi j'ai besoin d'en avoir et j'en ai pas. Et j'avoue que je m'impatiente un peu de galérer toute la soirée sur 15 boss différents. En fait, il y a beaucoup, beaucoup moins d'exploration dans le jeu maintenant que des boss et j'avoue que ça commence à me saouler. Ne target pas. La cam fait absolument n'importe quoi. Ouais, mais si je target pas, je risque de viser dans le vide, quoi. C'est vrai que la cam fait navax, ça pour le coup. J'ai pas envie de faire comme je faisais avant. Bah en fait les pièges les vis parce que je fais ma magie aussi souvent quoi. Dès que je suis un peu à distance. Je te déteste. Je te déteste, t'es vraiment qu'une merde mon perso. Une grosse merde puante. Alors j'y vais descendre mon cheval. Non. Le cheval il dépop. Vraiment tu peux pas... Voilà, là je visais plus et bon bah évidemment ça a envoyé mon sort n'importe où. Ah je vais pas. Oh là là. Bon bah je pense que... Hein. Je pense que je vais dire non. Là j'ai envie de d'éclater ma manette contre le mur, c'est pas très bon signe. Level 10!
Voilà. J'économise une popo là. Condition que je meurs pas tout de suite. Bon. Ah. J'ai du boîtier de CD, ça détend. J'ai zéro boîtier de CD moi. Redonner du courage, j'ai changé de zone moi. Je suis bien plus tranquille niveau boss explo. Ils ont bien gavé les sims. Bah le truc c'est que... Bah j'ai pas mis d'autre solution quoi, c'est les sims qu'il faut que je fasse. J'ai pas mis d'autres trucs, mais oui j'avoue que les sims je déteste. Hein. Entre le blanc qui te nique les yeux constamment. Et Et l'exploration qui est pas des... qui est pas dingue, même si au début j'avoue j'ai trouvé la zone jolie et tout ça évidemment. Mais après j'ai vite déchanté. Et ben ouais je commence à en avoir plein plein le fiac hein. Trop tard. Merde. Plus bas, plus bas, plus bas. Putain. Je visais pas, je suis dégoûtée. Et mon perso a décidé de viser sa main, parce que mon perso est une connasse. Pourquoi ?
Mon perso arrête de viser au bout d'un moment, tout seul. Là, c'est insupportable. Et là, j'ai plus d'épée. Bordel, les frises. Ouais, là, je... J'ai envie de vomir. Salut, Anaëlia! Quel des enchaînements, c'est gentil. Tu peux débloquer le ouest, si tu veux, tu as trouvé la seconde moitié du médaillon. Ouais, mais je sais absolument pas où je dois foutre ce... Dans quel fion je dois foutre ce médaillon. Par le mien. Désolée, je suis un peu de mauvaise humeur. Oh, Nania! Épée dans l'œil, mais c'est parce que j'ai pas réussi à se parler. Ouais, bah, moi j'attendais ton message en fait. Vu que je te vois tout le temps sur Valolo, bah, je me dis, elle doit être en train de jouer. Donc, enfin, elle doit être en train de jouer, elle doit être avec du monde. Donc voilà. Donc c'est vrai que je me suis dit, bah, elle me dira quand elle sera dispo. Parce que moi, bah, le soir, je stream, mais la journée, je suis là, quoi. Mais, bah, dis-moi, tu veux qu'on se parle demain après-midi ? Ça me va, demain après-midi. Toujours dispo, moi ? Oui, mais je sais que quand t'es sur Valo, tu me l'avais dit plusieurs fois quand on voulait... Quand je t'invitais à des jeux, tu m'avais dit plusieurs fois que... Que bah t'étais pas tout seul et que du coup tu pouvais pas les lâcher comme ça quoi. Du coup bah je me dis bon. J'ose pas trop. Est-ce que cette touche B fonctionne des fois ? Super, meilleur endroit. Demain après-midi, ça marche. Eh ben on fait ça demain après-midi. On se capte. Allez. Dégage. Voilà.
Je me tire un peu. Je force à venir un peu vers moi. Non, ça marche pas du tout. C'est quoi, mon perso il a sauté, je sais même pas pourquoi. Je suis morte. Super! J'en ai rien à péter de ta cime, de mes couilles! De mes... couilles! Pourquoi je vois ça, moi? Qu'est-ce qu'on veut? GG, merci! Je prends plus aucun plaisir à battre les boss, c'est mauvais signe. Ma rage ne se calme pas. Falloir qu'on remédie à ça, hein. Pareil. c'est un peu chiant quand l'aspect le plus jouissif du jeu, tu ne l'as même plus. Tu sautais là. Bon, on va arrêter la VOD là-dessus. Ce VOD, c'était chiant.